dusty crypt far below the hallowed ground above. O Lord of Hell, I summon thee. Nomine Satanas, Lucifer Excelsis. Where the darkness of the earth meets the darkness of my soul, let the kingdom all secret house be revealed. He is a bringer of light. He is the opener of the way. He is the guardian of all transgressions. In nomine Satanas, Lucifer Excelsis. Oh, strange duke of pandemonium, I know thy sign. I bring the Lamb of Madrid before you. Become his infernal confessor and cloak him in the vestment of sin. In nomine Satanas, Lucifer Excelsis. The altar is cloaked with venom. The host has been trodden underfoot. Ambrosio, burn the henbane. Dushora, dry deadly nightshade of myrrh. Perfumes delightful to Satan, our master. In nomine Satanas, we'll be right back.
super content. L'organisation est excellente. Et c'est pour ça qu'on va donner le pire de nous-mêmes. Long live Metal! Oh,
Nous militons sincèrement pour la résurrection de l'homme de Totarel. J'espère que cette conférence en primatologie va ce soir animer la bête qui sommeille en chacun de vous. C'est complètement con ce que je raconte parce que j'ai oublié la prochaine chanson. Ah oui, elle est dédiée à tous les gens qui font des enfants, par exemple mon bassiste, mon batteur, ma mère, enfin bon. Cette chanson s'appelle Considérer mort. Enfin, c'est pas très métal quand je le dis comme ça, mais cette chanson s'appelle Considérer. Thank you.
paraître sur la nouvelle démo, c'est ça? Ou un album, je sais plus. Enfin, une espèce de mec chauve là, qui s'occupe de tout ça sur le stand à côté. Extrêmement agréable, très bon commercial, vous verrez. Il s'appelle Laurent. Et ce nouvel album, donc, va contenir une chanson qui est à base d'une recette de gestes de guerre. Je vais faire notre ami les rues qui est ici, mais on s'en fout. Donc, on va jouer une chanson qui parle en fait d'une méchante nonne, ça arrive pas souvent, qui va maltraiter une pauvre jeune femme qui va être obligée d'accoucher d'un cadavre dans les catacombes de la crypte. Ah, si, ah, si, ah! Premature burial! I command you to release my sister Agnes from her religious duties. The clouds of your order should not imprison her any longer. Now that's enough. You got to obey. You cannot keep my sister away from her freedom. Thank you.
méchante nonne, car celle-ci est un fantôme qui vient rechercher les âmes des morts. Ah, la méchante. Et par un subtil stratagème, la nonne sanglante va enlever un pauvre jeune homme innocent et le mener jusqu'à la mort. Il sera alors délivré par le juif errant. Excellent, les mecs. Et les nanas aussi, hein.
J'espère que peu à peu l'alcool prend corps dans vos âmes et vos esprits ravagés. Nous, c'est déjà foutu de toute façon. Bon, je vous vois quelque peu être bangé, mais pas vraiment lâcher la truie. Alors ce morceau est à propos de violence pacifique, puisqu'il est à propos d'un viol. Et donc dans la joie et l'allégresse, nous allons raconter une histoire terrifiante et vous allez tous finir par terre en hurlant. Que ce qui s'arrache une couille à la fin de ce morceau soit glorifié jusqu'à la fin des temps. The Rape! We'll be right back.
La classe, c'est de se planter sur les morceaux les plus faciles. Bon, est-ce que vous êtes chaud comme la presse, tout ça, thermonucléaire, guerre, gestuelle, mon cul. Dernier, parle-moi. Que des trucs intelligents, bon. Ceci est une chanson extrêmement poétique sur le fait de fracasser son crâne en écoutant une reprise de Léo Ferré. Bang yo! We'll be right back.
quand vous en voulez encore. Bah exprès une que vous connaissez pas encore. C'est bon, on a que trois femmes, c'est cool. Non, pas de vanille yaourt ce soir, vous avez été pas sage, alors vous êtes punis, vous aurez de la violence sonore dans vos gueules. Là, il s'agit d'un meurtre relativement silencieux parce que on n'aime pas trop être à découvert quand on tue des gens, tout ça. Donc sur cette chose terrible qui est l'assassinat, on a fait une chanson. The Silent Kill.